les jeux sont faits. Perdu. Et ça. Et tout ça. Et... Majesté, vous allez faire rougir la chance. Oh, Madame de Polignac, vous me portez bonheur. Les jeux sont faits. Père de roi, votre majesté, c'est perdu. Oh, voilà. Je suis de nouveau sans le sou. Il faudra que je dise au pauvre homme que je ne peux payer mes dettes et qu'il doit les honorer. Je suis sa femme. Le fait est, Votre Majesté, que la nation tout entière, jour après jour, s'endette davantage. Les dépenses de la cour, les dépenses personnelles de Sa Majesté, la Reine, notre participation à la guerre pour l'indépendance de l'Amérique, qui nous a coûté un total de 2000 millions de livres. Pour être honnête, Votre Majesté, les perspectives sont peu encourageantes. Quel est votre avis, monsieur Necker? Franchement, sire, nous avons deux options. La première est de désavouer nos dettes et d'en ignorer les conséquences. Non, monsieur Necker. Votre seconde option? Convoquer les États généraux, sire. C'est le seul corps d'État qui ait le pouvoir de lever les impôts pour rembourser les dettes de Votre Majesté. Mais nous n'avons pas recouru à cette extrémité depuis 150 ans, monsieur Necker. Sire, c'est inévitable. Décidément, cet usage est barbare. J'aurais dû demander à madame l'étiquette de nous montrer la bonne façon de traire le lait. Je tiens tout seul. Oh. C'est bien, mon chéri. Très bien. Vous me faites honneur. Mes bien chers frères, nous nous tiendrons en assemblée paroissiale aujourd'hui, 6 mars, dans le vestibule de l'église, pour rédiger le cahier de doléances de notre comté. Tous les hommes âgés de 25 ans et plus, payant des impôts, sont invités à venir s'exprimer. Je me présenterai. Notre devoir est de saisir cette occasion pour faire connaître à notre bon roi la vérité sur ce qui ne va pas dans son royaume. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Moi j'en ai assez de remuer des pierres sur des chemins pour les beaux yeux du maître. Vous voulez qu'on écrive que les corvées soient abolies? C'est ça, oui. Et la gabelle aussi. C'est une honte d'avoir acheté du sel qui est pourri et plein de terre. C'est vrai, si vous en supplie, laissez-nous le temps d'écrire. Moi, votre médecin, je demande l'égalité devant les impôts. De quel droit les nobles et les prêtres en sont-ils dispensés? Il a raison. Et pourquoi faut-il être noble pour devenir officier? Accès pour tous aux emplois militaires, civils et même ecclésiastiques. Ecclésiastiques? Parfaitement. Qu'est-ce que vous écrivez là, Camille Desmoulins? Plus de privilèges, plus d'humiliation et l'égalité pour tous. La liberté aussi! La liberté! Or, aura qui votre maman aura? Accélérat, accélérat, accélérat! Vous êtes au grand, on vous aura!